Et yo les gens, c'est Xeima, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Monster Hunter World. Donc, la dernière fois, on avait battu le Nergigante, et on nous avait dit qu'il y avait des dragons anciens qui arrivaient d'un peu partout, genre dans la forêt ancienne, dans le désert, et dans le Valputrid, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, on devait parler à plein de gens, visiblement. Du coup, peut-être qu'ils vont nous dire, ouais, il y a tel monstre, tel monstre, tel monstre. Alors, oui, me voilà. On était séparés des chefs. Oula, on a été séparés des chasseurs de la 4ème et de la 5ème afin de retrouver la trace de notre dragon ancien plus rapidement. J'aimerais que tu nous rejoignes dans la forêt ancienne pour y rassembler le plus d'indices possible. Ouais, les écofacs, ouais. Tu peux même t'en charger pendant une expédition ou une quête, ça n'a pas d'importance. Ah, bah c'est cool, tant mieux, parce que. Voilà. Au moins pendant une expédition, t'as tout ton temps. D'après les informations qu'on a pu recueillir, les traces de son passage sont dispersées dans. Dans une vaste zone. Quand tu auras rassemblé assez de données, retourne à. Faire ton rapport à l'équipe d'archives. Je sais pas parler, c'est terrible. Aujourd'hui, ça commence très bien l'épisode. Je ne sais plus parler. Ok, explorer la forêt ancienne. Ok. Donc ensuite, faut parler à toi. Bonjour. Il est temps. En route pour le désert des termites, nous avons un dragon ancien à trouver. Tout ce que je sais, la piste, la. Oula, la si. Les lunettes. Je crois que je vais arrêter de parler pour cet épisode, en fait. Je sais qu'il vient à peine de commencer, mais je vais arrêter de parler déjà. De ce que je sais, la piste est plus nette sur les rochers et sur le sable. Le plus judicieux serait de mener une expédition ou une quête libre dans les zones particulièrement arides. Quand j'aurai récupéré les données nécessaires, j'irai faire mon rapport aux recherches... aux chercheurs des archives écologiques. Bien. À la prochaine, chasseur. Ok. Donc, désert de termites et parler à la capitaine de la 3ème flotte. Alors, 3ème flotte, c'est le truc là-bas, je crois. Genre là. Si je ne dis pas de bêtises. Parce que mine de rien, j'en dis souvent. Donc, madame... Oh bah tiens, il y a une quête, quête ici. On la prendra après. Ah, te voilà, je te cherchais. Tu comptes partir à la recherche d'un dragon ancien dans le Valputrid, n'est-ce pas? L'amiral m'a tout raconté. Oui. Eh bien, laisse-moi t'avertir, le miasme du Val s'est densifié ces derniers temps. C'est cette femme qui a découvert cela, alors qu'elle était dans le Val. Heureusement, elle est aussitôt venue me prévenir qu'il se passait quelque chose d'anormal. Nous avons déjà observé ce phénomène lorsque nous sommes arrivés ici avec la 3ème flotte. Nous pensions qu'un monstre était la source de cette concentration de miasme. Il y a donc des chances que le dragon ancien que tu recherches soit celui qui se cache dans ce miasme. Ne perdons pas de temps. Les écofacts sont tout au fond du Val. Je compte sur toi. Une fois que tu auras obtenu suffisamment, rends-toi aux archives écologiques. Tout est clair? Parfait. Ok. Et donc oui, c'est toi, bonjour. On se retrouve. Tiens, mais qui voilà? Que fais-tu ici? Laisse-moi deviner, tu pisses le dragon ancien, c'est ça? J'y pense aussi, figure-toi. Le miasme du Val putride s'épaissit depuis quelque temps. Je me suis rendu compte il y a peu, lors d'une mise en investigation dans le Val. Maintenant que j'y pense... Ce phénomène s'est déjà produit il y a 20 ans, à l'arrivée de la 3ème flotte, lors de la précédente traversée des Anciens. Deux décennies que je marche ici sans rien trouver. Mais depuis que tu es là, les choses sont différentes. Tu as trouvé la piste du dragon ancien et tu l'as suivie. Et bientôt, tu mettras peut-être les pieds... là où même moi je ne suis jamais allé. Très bien, je vais essayer de comprendre d'où vient cette recrudescence... Oula, voilà un mot bien compliqué. Recrudescence de miasme. On va donc faire un tour dans le Val et tâche de retrouver la trace de dragon ancien. Ok. Bon ben du coup... Alors on commence par quoi? Bon on va faire dans l'ordre, on va faire dans l'ordre. Forêt ancienne, allez. Faisons dans l'ordre. Hop. Attends, j'ai une mission à Astera. Ah bon, j'ai une mission à Astera. Bon, on va... Ah ouais non, ça doit être pour rendre la quête parce que pareil j'en ai une au poste de recherche. Alors... Il y a un monstre inconnu tant qu'on est. Voilà. Ben. Oula. Texture. Texture, s'il te plaît. Est-ce que tu veux bien revenir, s'il te plaît? Non, on a cassé la texture. Bon, bah, nous avons un magnifique bug de texture. Ah, c'est bon. Ok. La texture qui s'est sauvée, qui a foutu le camp. Très bien.
Coucou les machins. Alors, bon, trouver des écofacts de dragons anciens. Non, c'est pas un dragon ancien, ça c'est un grand jagras. Ah, du bleu. Ah ah. Attends, cet écofact appartient sûrement au dragon ancien que le chef d'équipe nous a demandé de retrouver. Suivons cette piste. Alors moi je veux bien, mais elle mène à rien cette piste. Ouais, de toute façon, comme je vois la vitesse à laquelle ce truc se charge. Mais t'as vu que ce qu'on va faire, c'est que je vous reprends dès que... Oh, bonjour. Ce qu'on va faire, c'est que je vous reprends dès que... Bah, dès que je... Il y a de l'avancement. On a débloqué assez d'écofacts d'un monstre inconnu. Mais quel est ce monstre inconnu? Telle est la question. Marc, vu qu'on a débloqué assez d'écofacts, on peut aller voir ce que c'est. Il est où? Il est là. Ah oui, c'était bien Rathalos Azur. Bon bah bonjour. Enchanté. Je suis pas là pour toi, donc je me casse. Salut, bonne journée. Oh! Oh! Bien le bonjour. Soudain, Devil Joe. Alors, voyez ici le Devil Joe dans son état naturel. Ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ce machin vaut mieux l'éviter pour l'instant. Mais tiens, on va ramasser ça. Alors, le problème, c'est qu'il va vers là où on va. Donc, on va le suivre. Mais. Je crois qu'on a trouvé suffisamment d'écofacts dans la forêt ancienne. Oh. Retournons voir l'équipe des archives écologiques. Ah bah parfait. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais... Est-ce que j'ai pas moyen de choper plus d'écofacts de Devil Joe? Genre... Comme ça. Je suis à fond, hein. Je suis pas encore... Si, je suis à fond. Attends. Je suis bigleux. Ouais, je suis à fond. Très bien. On va faire comme si on n'avait pas vu le Devil Joe, hein. On s'en va. Bon, en tout cas, on va pouvoir voir. Hop. Quel est le dragon ancien de cette zone? Et surtout, on a vu qu'il y avait un Devil Joe. Bonjour. Alors, Devil Joe, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est une grosse bestiole qui ressemble un peu à l'Andronate, hein, c'est un gros T-Rex. Sauf que lui, il est... brutal. Mais genre... brutal. On aura sûrement l'occasion de le battre à un moment. Je crois qu'on a assez de données sur la forêt ancienne. On passe aux archives écologiques? Ok, et après on ira voir les monsieur qui ont un point d'exclamation en bleu. Qui veut dire c'est une quête de DLC, bonjour. Toujours en un seul morceau. Le DLC du Devil Joe, c'est cohérent. Tout voilà, je t'attendais. Nous avons identifié les dragons. Namanamana. Kushaladaora, donc oui, c'est bien ce que je pensais, ça va être le Kushaladaora, le Théostra et le Caméléos, ça c'était certain, très bien. Ok. On a un vaste territoire, peut-être en une apparence sur congère du vieux monde, oui tout à fait. À moins que tu n'en aies vu toi-même, oh oui. J'ai des trois entre le Caméléos, le Théostra et le Kushaladaora, c'est clairement le Kushala que je déteste le plus. Parce que, comment dire, mon arme est lente. Il bouge relativement vite, et surtout, les rares fois où j'arrive à l'approcher, bah, il me repousse avec du vent. Voilà, voilà. Donc, c'est une plaie. Hein, voilà. Nous devons partir. Je vais expliquer au petit-fils le commandant. Ok. Putain, j'ai eu plein de nouvelles informations.
Ok, alors, il nous a dit parler à machin, mais moi je veux d'abord parler à la quête DLC. Du calme. Ah, Chazer, quelle heureuse coïncidence, tu arrives à point nommé, un talent rare de nos jours. N'est-ce pas? Merci de nous avoir escortés au désert des termites. Ah, c'est vous, c'est vrai, oui. Malheureusement, une autre question de très grande importance exige notre attention immédiate. Le commandant sera également présent. Le temps presse. Viens, chasseur. Ah, d'accord. Ok. Ok. Je suppose que vous avez réuni conseil pour une raison importante. Oui, commandant. Malheureusement, la situation s'annonce inquiétante et terrifiante. Chasseur, je suppose que tu connais l'importance de la chaîne alimentaire, bien sûr. Les prédateurs et les proies définissent l'équilibre naturel d'un écosystème. Étudier la chaîne alimentaire nous a permis de mieux comprendre comment fonctionne la vie dans le Nouveau Monde. Mais il existe une créature terrifiante qui met en péril les fondations même de cet écosystème, le Devil Joe. Et pour la première fois, nous avons trouvé des traces de son monde dans le Nouveau Monde. Je l'ai vu. Attendez, est-ce que... vous parlez du Devil Joe? C'est impossible. Que fait un Devil Joe sur le Nouveau Monde? Il n'y a aucun doute, commandant. J'ai vu ces écofacts de ses yeux. Je l'ai vu de mes yeux. En même temps, je l'ai vu de mes yeux, c'est comme monter en haut, tout ça, ça n'a aucun sens. Bref, Devil Joe, le dévoreur de monde. Bon sang, c'est une catastrophe. Sa présence est un danger pour tout l'écosystème, le Devil Joe est une menace encore plus grande que les dragons anciens. Ah, donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire le Devil Joe avant les dragons anciens. Ah, bon, très bien. Ok. Très bien, voilà comment nous allons procéder. Vous trois serez en charge de l'investigation. Chasseur de la 5ème, trouvez tout ce que vous pourrez sur le Devil Joe et faites votre rapport au 3ème érudit. Nous aurons besoin d'aide de toute la 5ème pour chercher les indices. Lorsque nous aurons suffisamment d'informations, nous pourrons déterminer sa localisation géographique. Développons également un nouvel outil de survie pour nos chasseurs. Ah, intéressant. Les recherches sur le Devil Joe nous permettront certainement de progresser. Nous te donnerons l'outil dès que tout sera prêt. Fais attention à toi, chasseur. Ok. Bon, bah va falloir taper un Devil Joe. Le dévoreur de monde, l'infâme Devil Joe a été repéré dans le Nouveau Monde, Attends, dans chaque région, vous trouverez peut-être des écofacts dans l'automne, Le Devil Joe peut également apparaître dans les quêtes où il ne fait pas partie de l'objectif principal. Ouais, comme dans les anciens jeux. En fait, le Devil Joe, c'est le monstre qui fait « Bonjour, je suis une saloperie qui peut te tuer en deux coups sans aucun putain de problème. » Et en plus, j'apparais dans des quêtes complètement au pif, alors que c'est absolument pas ta mission. Voilà, voilà. En fait, le mec, il se tape l'incruste, et il te défonce. Les missions spéciales sont des quêtes qui n'ont pas de rapport avec la traversée des anciens. Pour recevoir une mission spéciale, parlez à un personnage de point d'exploration bleu au-dessus de sa tête. Ok. Très bien, très bien. Alors, la légende raconte qu'il nous faut des écofacts de Devil Joe. Ben, remarque, on peut le faire en... Bah, donc, déjà, on va parler au chef d'équipe, il fallait parler au chef d'équipe. Qui est là-bas... Bonjour. Bien. Les érudits, nanana, couche à la Dora, nanana... Terre des Anciens. Et sûrement, c'est une bonne nouvelle au final, au moins, il ne rôde plus autour de la base. Oui. On voit tous les détails de la case... Fais attention. Ouais, donc c'est pas ce que je dis, c'est moins... C'est moins grave... Que le... Wow! C'était un Kushala d'Aura! Je ne pensais pas en voir dans le Nouveau Monde! En effet. C'est moins grave que Devil Joe, parce que pour le coup, Devil Joe, il est dans le coin. Donc on a intérêt à... Attends, il y a des missions. Bonjour. Oui? Tu as accepté d'aider un vieil homme en détresse? Le stock de la campagne, il n'y a pas de rien, c'est pourquoi le coup de main. Oh bah ça va, j'ai ce qu'il faut. Livraison. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça. Hop. Poing. Et voilà. Très bien. Donc du coup, Devil Joe, mais d'abord, chercher les écofacts de Devil Joe, si je ne m'abuse. Oui, on est bien. Bah du coup, on va retourner dans la forêt ancienne, hein, c'est là qu'il était. Donc, voilà, il est là, très bien. Hop. L'avantage, c'est que là, pour le coup...
Pour avoir des écofacts, il suffira de se mettre en cap caméléon et de le suivre. À moins qu'il ne soit. Enfin, qu'il n'ait un bon odorat. Parce que visiblement, dans ce jeu, l'odorat, ça fonctionne. Puisque des fois, t'es dans les herbes hautes, tout ça, et ils arrivent à te repérer quand même. Donc, bon. À moins que la cape de caméléon soit enduite d'une odeur en plus qui fait que du coup ça couvre la tienne et donc du coup tu crains rien. Mais bon, de toute façon, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de tester. Zzz, voilà. Peut-être manger dans le doute si jamais il m'attaque. Qu'il me one shot pas, ça pourrait être un bon plan. Hop, voilà, plus de vie s'il vous plaît. Ouais! Voilà. Hop. Comme ça, au moins, s'il m'attaque, je me ferai pas one shot. Là, on a assez d'écofacts. On va pouvoir retourner au camp. Bien. Maintenant, vous. J'ai à vous parler. Merci pour ta patience, chasseur. Nous avons analysé les écofacts trouvés par la cinquième. Allons autre part, par ici. Du calme. Nous avons enfin trouvé les analyses des écofacts. Notre rapport est prêt. Nous avons réussi à déterminer la position géographique du Devil Joe. C'était pas facile. Cette créature va et vient à sa guise. C'est un miracle que nous avions pu le localiser aussi vite. Il s'agit peut-être de la seule et dernière opportunité. Nous avons posté une nouvelle quête, le tyran de la chaîne alimentaire, un défi de taille. En raison du risque très élevé, personne n'est autorisé à entrer dans la forêt ancienne. Ton assistante doit donc rester au camp, c'est pour sa sécurité. Très bien. Maintenant que tout est dit, allons-y. Ok. Alors les amis, parlons de préparation et de paiement. Hein, vous voyez? C'est-à-dire que là, il vient de dire, oui, c'est très dangereux, il faut que votre assistante reste au camp. 100%, elle va sortir du camp. 100%. Alors, du coup, là, il faut que j'aille. Hop, moi j'ai un bout. Cantoche. Donc, t'as compris, Tracer? Hein, tu restes au camp? Non, là, pour l'instant, non. Pour l'instant, on s'occupe pas de ça. Pour l'instant, on s'occupe de David Joe. Ok. Alors. Pouf, pouf, pouf. Comme je compte pas le refaire 500 fois, on va mettre un petit coupon. Hein, ça me paraît bien. Même si les armes en Devil Joe, en général, tapent dur. Bon, 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 bon. Maintenant, on va prier très fort, hein, parce que. Quand je dis le Devil Joe, il déconne pas en général. Au passage, rien à voir, mais j'ai dû me faire mordre par une araignée. Parce que j'ai le doigt qui a doublé de volume. C'est pas grave, donc. Tac, on se fait. What? Trace de pas? Ok, je verrai après. D'abord. Donc disais-je, trace de pas. Sûrement, oui. Je crains le pire, nous avons oublié de lui dire que le Devil Joe était dans le nouveau monde. Mon objectif, c'est de recenser et de manger toutes les nourritures du nouveau monde. D'accord. J'avais dit 100%, elle s'est barrée. Grand-père, papa, si seulement vous étiez là.
C'est en général dans ces moments-là, quand on dit des choses comme ça, qu'on finit par se faire buter. Donc fais gaffe. Ça alors ! Attends, j'ai loupé des écofacs là ou... Ah oui là. Donc en fait on est en train de traquer notre assistante. Lol. Nous suivons donc les traces d'une assistante, une espèce rare, en voie de disparition. Parce que son inintelligence fait en sorte qu'elle se mette dans des dangers les plus improbables. Les traces de Devil Joe, où ça? Là. Ok, non, c'est juste un truc. C'est pas les traces de Devil Joe, ça, c'est les traces de mon assistante. Et maintenant, tu rentres au camp parce que tu vas mourir. Non, je pense pas que qu'il y ait de mort comme ça. Allez, dépêche-toi. Enfin, pour l'instant, ce n'est qu'un simple Jagras. Mais bon, ça fait deux fois qu'elle manque de se faire bouffer par un Jagras, soit dit en passant. Bonjour. Wow, elle a tellement de chance que les lois de la physique soient pas du tout respectées. D'accord, elle est sur son dos. Très bien. C'est parti. Ne surtout pas rester à côté. Oui, on fait ce qu'on peut. Rappel, j'ai une arme lente. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Aïe. J'adore ce truc. Il utilise le Jagras comme masse pour taper. Allez, viens par là. Viens par là, le Devil Joe. Viens par là. Viens. J'ai failli taper mon assistante, tu vois bien. Et maintenant, Jagras, casse-toi. Si tu veux survivre. Ouh. Aïe. Très bien. Ben, c'est-à-dire que non, parce que si je t'abandonne, tu meurs en fait. Allez, descends. Descends. Il est fatigué. Ah, c'est bon, elle est descendue. Allez, barre-toi. Barre-toi. J'ai bien cru que les carottes étaient cuites. Voilà. Qu'est-ce que... Il dort ou... Il dort. Je me rappelle plus, t'as une arme. Ah, mais non, je suis con! Mon arme tape sommeil! Mais oui! Alors attends. Puisque mon arme tape sommeil, nous allons faire un petit aiguisage. Chewing. Voilà. Ensuite, on va mettre deux petits barils. Tranquillement. Voilà. Oh, bah non, évidemment, il se réveille, c'est une parole. Évidemment, il se réveille avant. Et en plus, il s'énerve. Tiens, le monstre est pris au piège. Frappe-le de toutes tes forces. C'est prévu. Parce que c'est vrai que dans celui-là, dans ce Monster Hunter-là, c'est vrai que nous ne pouvons pas nous enfuir s'il nous poursuit. Néanmoins, on peut également utiliser... Le décor à notre avantage, contrairement aux anciens. Tape à côté, vas-y. Bon, ça c'est... Oui. Ça c'est un souffle draconique, il ne faut surtout pas se le prendre. Sinon, tu meurs. Aïe,
Viens, papa. Viens, papa. Allez. Voilà. Étape 1, la queue. Parce que cette queue, c'est une vraie torture. Le coup de queue. Oh ça va, je m'attendais à plus douloureux en termes de coup de queue. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Stomp. Aïe. Non, ça c'était moi. Ah, il est aussi brutal que dans les anciens. Quoique un peu plus lent, j'ai l'impression. Ou c'est qu'une impression. C'était nul. Ah, il dort. Très bien. Hop, visage. Cette fois-ci, on se dépêche. Dommage, un poil trop court. Il se vénère. Oula, être immobile devant lui, c'est pas une bonne idée. Ah, il se barre. C'est bon. Safe. Allez, on poursuit. Slash TP de sa part ou ça se passe comment? Oula, celle-là je la bouffe. Celle-là je la bouffe. Oula, et il me mange. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Esquive! Eh ben non. J'aurais pas esquivé. Bon bah voilà. Quand je disais qu'il pouvait one shot ce truc. Aïe. 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 Voilà. Donc j'ai rien dit. Il est plus brutal que l'ancien. Parce que l'ancien, au moins, il one-shotait pas. Il avait au moins la décence de me tuer qu'en deux coups. Je peux pas remanger. Bon, Tu vois, à cause de tes conneries, là. Bon. Alors, coffre. Inventaire. Aïe. Aïe. Parce que là, mon gars, tu vas être paralysé. Tout était prévu. Tout était calculé. Putain, il reste pas longtemps, ce con. Complètement dans le vide, c'est parfait. Aïe.
Ah oui, mon chat, soigne-moi. Viens par là. Oh oui, c'est bon la paralysie. C'est bon la paralysie. Il gueule fort. Hein. Je suis assez loin. Il m'a quand même paralysé. Aïe, c'est vrai, cette queue. Quand je disais étape 1, focus cette putain de queue. C'était pas des blagues. Parfait. Maintenant, direction la queue, j'ai dit. Yes! La queue coupée. Trop loin. Ah, il se barre. On peut ramasser la queue donc. Que des villes, il va où? Ok, d'accord, il va par là. Ouais. Il est où? Oh! D'accord, ok. Il saute de machin en machin, oui, pourquoi pas. Plutôt agile, le bestiau. Ah, attention, parce que là, il va atterrir... Oul. Parce que s'il atterrit derrière moi, j'aurais un peu con. Il est là. Petit aiguisage des familles. Peut-être préparer le piège fausse. Il est où le piège fausse? Ah mais non, c'est vrai, je n'avais pas. Je n'avais pas. Alors, il est parti par où? Il est là-bas. Rebonjour. C'est en passant ce thème musical. Aïe. Bon, je suis mort. Version 2, je suis mort. On peut pas éviter, hein. On ne peut pas l'éviter. Est-ce que ce serait ma première défaite dans Monster Hunter World? Eh bien, je ne sais pas. Alors, est-ce que je peux remanger, du coup, maintenant? Maintenant que je suis mort. Oui, je peux. Alors, de la défense? Ouais, ouais, ça me paraît bien, de la défense. Ouais, 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 ça me paraît bien, de la défense. Par contre, on va aussi récupérer plus de défense en allant là-dedans. Là, si on se fait défoncer comme ça par un Devil Joe, je veux même pas imaginer un dragon ancien juste derrière. Quoi qu'il est quand même pire que les dragons anciens, hein, on va pas se le cacher. Ça, j'en ai pas beaucoup, je vais prendre de ça. Enfin, je vais prendre les deux, je vais prendre les deux. Comme ça, on ne sait jamais, sur un malentendu, il y a moyen de se soigner. Est-ce que j'aurais pas... Oui, potion de démon. Et potion de pierre. Est-ce que j'ai pas plus? Est-ce que j'ai pas moyen d'avoir des potions plus? Je pense que ça doit être ça. Oui, parfait. Voilà, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors... Prenons donc, trions tout ça. Voilà. Hop, on prend potion de pierre plus et potion de démon plus. Très bien. Donc. Alors, cette fois-ci, il devrait pas ou ne... en théorie, il devrait pas nous one-shot. Alors, déjà, commençons par manger. Il est où? Ceci. Voilà, et maintenant, potion de pierre parce que défense, voilà.
et potion de démon parce que attaque. Et maintenant, on déconne plus. Allez. Rebonjour. Je suis même plus une menace pour lui. Il considère même plus que je suis une menace pour lui. Il m'ignorait complètement jusqu'à ce que je l'attaque. Même sans sa queue, il arrive à me toucher avec sa queue. Oula, 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 oula. C'est bon. Merci mon chat. Tu vois, et s'il avait encore sa queue, il aurait pu me toucher. Parce que sa queue a une allonge. Ah, et aussi, un détail du Devil Joe que vous avez peut-être remarqué, c'est que il se rattrape très rapidement. Enfin, il se remet très rapidement des coups qu'il prend. Genre, il s'est pris un truc, t'as cru qu'il a eu mal. Eh ben non. Évidemment. Faut lui sauter dessus, faut lui sauter dessus, mais faut pas qu'il nous saute dessus, lui. Parce que c'est quand il nous saute dessus qu'il nous chope et nous bouffe. Vous n'êtes pas prêts. Nous disait. Voilà, bon. Maintenant focus la tête. C'était le jump. C'était prévisible. Oula, 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 recule, 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 recule. C'est bon. Ça, faut pas se le prendre non plus. Ça fait des dégâts, mais vous imaginez même pas. Vas-y, trois fois d'affilée, il se calme un peu. Je l'ai tapé tellement fort qu'il dégueule. Ouais. Oula, oula, c'est là, la ouf. Ah, c'était prévisible. Elle. Si je suis assommé, je suis mort. C'est bon. Gaspiller un soin. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu un adversaire aussi redoutable, hein. Bon. Je vais honnête avec vous, je sais même pas si je vais gagner. Aïe. T'enlèves pas, t'enlèves pas, t'enlèves pas. Si, relève-toi et barre-toi. Aïe. Oui, 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 mais attends deux secondes, j'aimerais survivre avant de répondre à ta remarque. Là, tu te dis, il est loin, mais il peut pas lancer des cailloux, ce con. C'est bon. Allez, viens voir. Sinon, il s'épuise à un moment, ou ça se passe comment? C'est bon, safe. Longtemps que je m'étais pas senti autant en danger.
Aïe. Ah, il est plus énervé, donc il fera moins mal. Mais... Ah, il est fatigué. Ça, c'est cool, par contre. Faut qu'il boite. S'il boite, on a gagné. Mais, faut qu'il boite. L'interception par le cri. Très bien. Costaud, ce con. Bon. Cool, on voit qu'il est fatigué. Et munitions. Draconique. Là, connu mieux. Aiguisage, s'il vous plaît. Aiguisage. Je sais pas combien d'épisodes il est, mais à mon avis, dès que le combat est fini, on va arrêter l'épisode là, hein, parce que l'épisode est super long sinon. Hop. Putain, il s'est réénervé. Il va retaper comme un bourrin. Remarque, là-bas, il y a un moyen de le faire tomber dans un piège. Allez, viens voir, papa. Viens voir. Allez, papa. Allez, défonce l'arbre. Défonce-le. Mais non, pas la tenote. L'arbre. Parfait. Parfait. Chier. Parfois ça a une portée insoupçonnée ce truc. C'est important de ne jamais quitter des yeux aussi. Aïe. Oh là, je suis mort. Là, je pense que je suis mort. Ouh, c'est bon. L'arbre m'a sauvé. Pas ce coup de queue, par contre. Alors, je vais pas m'en plaindre. Mais depuis tout à l'heure, je me prends des couches, pas assommé une seule fois. Et comme je dis, je vais pas m'en plaindre. Clairement pas. T'étais fatigué il y a 2 minutes. Comment t'as regagné l'énergie? Je peux toujours manger, mais si je... Si je retourne au camp, ça veut dire que je suis mort, donc du coup, c'est-à-dire que j'ai perdu, donc... Yes, cette fois, je l'ai vu. Allez, faut que je t'approche. Je t'approche. Yes, il boite. On a gagné, les mecs. On a gagné. Ah, putain. Il aura fait mal, celui-là. Oh, Tobikadashi, bonjour. On ne fait que passer, hein, t'occupe pas de nous. Attends, on va préparer quand même ça au cas où il nous voit. Hein. Ça peut être une bonne idée. Hein, au cas où ils prennent l'envie de faire demi-tour et de nous attaquer. Va dormir là. Il nous a vu ou pas? Il nous a vu. Et donc s'il nous a vu, oulala. Voilà, être très prudent dans tout ce qu'on fait. Ok.
Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Il est monté pour redescendre. Ouais, pourquoi pas. Tant qu'on a la cape d'invisibilité, on est safe. Yes. Et là, il dort. Voilà, fais dodo. Et bonne nuit, les petits. J'ai jamais douté de toi. Pfiou ! Moi, par contre, si. J'ai douté de moi et j'ai douté de toi. Ton intelligence, surtout. On te dit, attention, il y a un putain de Devil Joe. Qu'est-ce que tu fais ? T'y vas. Con de toi. Bon. Bon. Bon qu'un. Et c'est un joyau anti-paralysie. Y a pas de monstre qui paralyse. Enfin, qui paralyse pas souvent, je veux dire. Bref, j'ai pas souvenir. Bref, donc go. Ouais, trop bien. Voilà, donc. Bien le bonjour. J'ai battu votre Devil Joe. Est-ce qu'il faudra faire attendre? Tu as fait un travail remarquable. Allons autre part, par ici. Hé, partenaire! Ouais. Merci de m'avoir sorti de ce mauvais pas. Pardon. Au moins, ça va. Elle a compris qu'elle fait une connerie et s'excuse. C'est bien. Impressionnant, Shatter. Même la n'aurait pas fait mieux. Non, Navarot, mais que faisais-tu là-bas, chère assistante? Bon, j'en parle pas souvent, donc ça va sûrement être un choc pour vous, mais. J'adore manger. Non, sans deck. C'est pas comme si t'étais à la cantine genre H24. Bon. D'abord manger, je veux dire, je suis une ex-finale de la cuisine. Je suis en train d'écrire un guide pour toutes les nourritures du Nouveau Monde. Ouais, remarque, il en faut, mais... Quand je m'ennuyais au camp, j'ai décidé de partir à la recherche d'ingrédients. Désolé, je me suis laissé emporter. Il y a trop de choses délicieuses dans le Nouveau Monde. Oui, incorrigible, comme toujours. Une vraie fille d'action, peu importe le danger, bravo. Il vaut mieux risquer sa vie pour réaliser ses rêves que de rester à rien faire. Dit comme ça, c'est pas faux. Mais bon, je veux dire quand... Risquer sa vie, oui. Mais là, c'était pas risquer sa vie, c'était du suicide, là, pour le coup. Enfin bon. Nous avons pris cette décision en venant dans le Nouveau Monde, il n'y a aucun regret à avoir. Pour en venir à notre affaire, chasseur, nous avons quelque chose pour toi. C'est un nouvel outil de survie que nous avons complété, en partie grâce à tes informations. Nous savons que tu l'utiliseras à bon escient. Nous devons rentrer et continuer nos recherches. Chère assistante, il nous tarde de lire ton guide. Soyez prudent et que l'étoile de Saphir soit avec vous. Ok. Peau de dragon, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va nous jeter genre une protection... équipement, oui c'est ça. Alors, peau de dragon, me dis-tu. Réduit les dégâts Réduit les dégâts draconiques, annule les fléaux dragons et améliore l'élément dragon de l'arme. Ah ah. Mais c'est nul. À moins que... Non, il tape pas dragon, hein, je veux dire. Le Kushala d'Aura, il tape... Glace, il me semble. Le Théostra, c'est explosion ou feu. Caméléo, c'est poison. Non, il n'y en a aucun qui tape dragon. Hein. Remarque, peut-être qu'il y a un boss de fin et que le boss de fin, il tape dragon. On verra. Bon, pour l'instant, ça nous est pas utile. Donc, on s'en fout. Très bien. Bon, en tout cas, sur ce,
cet épisode prend fin maintenant, suite à la victoire contre ce Devil Joe, de peu, hein, n'est-ce pas, de peu. C'est-à-dire que, mine de rien, le machin, il nous one-shot, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on améliore un peu nos armures. Donc, je pense que d'ici la prochaine fois, je vais récupérer les écofacts des deux autres régions, et pour le prochain épisode, on va se faire tous les dragons anciens. Bon, sauf si l'épisode est trop long et que... voilà, mais... Je pense qu'on va essayer de se faire les trois dragons anciens d'affilée. Ou alors on en fera deux puis un, je sais pas, on verra. De toute façon, je verrai selon comment ça se passe. Donc, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao les gens.